Salut tout le monde, c'est Picty et on se retrouve pour ce 11e épisode sur Pokémon Verfeuille. Dans le dernier épisode, on avait été chercher Level 1 et on avait fait la route de Azuria à jusqu'ici. Puis on avait fait autre chose aussi, on avait capturé masse Pokémon et tout en speed pour avoir la capsule secrète Flash qui va nous être utile dans la grotte, la fameuse. Par contre, je peux pas vérifier si j'ai soigné. Ouais, c'est bon, ils sont tous. Ah tiens, mon ami Griffsou, un objet à me donner. Bien, ouais. Ça peut toujours servir. Je crois que ça rend 30 PV. J'y sais. Ouais, c'est ça, je crois. La Bessitrus, je crois que c'est 60. Je bois un coup, vous savez. ouais, ça doit être ça. Enfin bref. Je sais pas pourquoi je fais des allers-retours alors qu'il faut que j'utilise Flash dans tous les cas. Et on va enlever la bicyclette. Alors ça c'est un Pokémaniaque. Ah non, ça c'est un combat. Et c'est un Machoke. Oh, tu vas pas m'emmerder dès le début, puis. Ah, j'aime pas les grottes, il y a tellement de Pokémon qui t'agressent. Ah bah voilà, Fury. On va pouvoir dès le début de l'épisode faire évoluer notre ami Nidoleck. Ah, ça va pas. Hein. Je pensais que c'était à 100% de précision, Fury, moi. Enfin bref, Darvenin, on lui dit au revoir, quoi. Et voilà. Et après. Hop. Hop. Elle est où la pierre lune? Elle est là, la pierre lune. Et voilà. Ouh, quelle évolution! Je trouve il est vraiment stylé, tellement la classe. Nidoluck en Nidoking. Non, c'est toujours Nidoluck. Hein. Tu le rename pas sans mon autorisation, attends. Qu'est-ce que tu crois? Par contre, on va mettre Floriza en tête de team. Et je regarde s'il n'y a pas quelque chose ici, tiens. Ça m'aurait étonné. Ah, oh, repousse, c'est cool. On va l'utiliser tout de suite, tiens. Parce que tellement j'en ai rien à foutre des Pokémon sauvages maintenant. Ils sont tellement balèzes là, mes deux Pokémon. Baston Pokémon, c'est parti! Qu'est-ce qui m'agresse? Oh, le Pokémaniaque Quentin! Oh là là! Je crois que les Pokémaniaques, c'est ceux qui ont des Pokémon, on va dire, assez rares, ou alors c'est. Ou alors c'est des fous de Pokémon. Mais généralement, ils essaient de choper des Pokémon assez rares, comme ça. Tu vas prendre cher. Je fais des petits speed parce que la grotte, il me semble que c'est quand même assez long hein, au final. On va pas y passer 30 ans non plus dans cette grotte. Et après que j'aurai fait la grotte, je vais pas directement aller à la tour Pokémon. Je vais plutôt me préoccuper de choper la super canne pour capturer le Starry, mon copain Starry. Je dessine des Pokémon quand je suis tout seul. Cool, non? Ça dépend lesquels. Si tu dessines des gros tas de morve, je pense que tu as un problème. Genre, t'es un gros porc, mais après, c'est ton problème. Dessine. Après, si tu dessines des ramolos, ouais, why not? Tiens, coup critique. Bim! Fais-moi le fier, là. Hein. Allez, retourne dessiner tes Pokémon, Jean-Marie. Je suis crevé, bah oui, tu m'étonnes. Il n'a pas l'habitude de combattre celui-là, avec ses crayons de couleur. Allez, on avance. Bonjour madame, je suis paumé, mais arrêtez. Je vois bien genre la meuf hystérique dans les grottes. Oh putain, je suis paumé, mais je t'affronte, putain. C'est Marthe. Alors, zut. C'est pas grave. Si, c'est grave en fait. On va envoyer Nidoluck. En mode gros Nidoking. Oh là 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 là. Il est tellement classe. Je kiffe tellement. Allez, pic. Et on n'en parle plus. Voilà. Et elle nous envoie encore la panoplie des Pokémon herbes.
qui ont même pas évolué, quoi. C'est la honte. Oh, Pierre-Lieu, bah oui, faut les faire évoluer, quoi. Attends, te fous pas de ma gueule. L'autre, elle lui colle des pires stas. Ou alors, ce Pokémon, il l'aime tellement pas qu'il se dit « Non, je veux pas évoluer !» Ou alors, elle a pas envie qu'il se... Peut-être c'est juste pour le skin, quoi. Comme les filles, ça aime les trucs mignons, on va dire. Puis après, c'est clair qu'un Florizarre, ou encore Rafflesia, est plutôt joli, quoi. Ortide, j'avoue qu'Ortide, il est dégueulasse. Mais Rafflesia est joli. Enfin bref. Au pire, Florizarre, tu le fous par terre, quoi, tu l'enterres, et puis voilà, ça te fait... Ça te fait une fleur dans ton jardin. Et... Ça me font chier, ces Nosferapti. J'en ai horreur, j'en ai horreur. Connais-tu les dresseurs costumés? Laisse-moi deviner, les Pokémaniens. Oh, oh, je le savais, quoi. Drôle de costume, d'ailleurs. On croirait que t'as tué un... Je sais pas, un reptincelle et tu te l'es collé sur la gueule, quoi. Ah, oh, fait chier. Les drôles de Pokémaniens, quoi. C'est les psychopathes maniaques, quoi. Tu es Pokémon et tout, quoi. Allez, furie, furie. Oh, ça touche que deux fois. Ah ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai pris au final, parce que je vais m'en séparer. Surtout que, enfin, ça m'a blasé de savoir que c'était pas à 100% de précision, quoi. Alors que c'est pas... Enfin, c'est une attaque banale, quoi, au final, le furie, quoi. C'est pas sûr que ça touche 5 fois, même... 3 fois, quoi, donc... Faut pas déconner. Allez, level up, Florizarre. Florivoirien. Ah non, c'est pas ça. C'est Chin-Chin, quoi. Oh là 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 là. Mon repousse, il est déjà terminé, quoi. C'est la merde. Allez, Racaillou et compagnie. On met le speed, hein. Miaou. Oula. Bonjour, Montagneur. Mes Pokémon vont te faire pleurer. J'arrive pas à prendre l'accent là. Bah, genre, je m'entraîne à prendre l'accent Montagneur. Alors, il m'envoie 100 à Caillou, ça va, il n'en a qu'un. Ils sont assez généreux, ils ont pas genre 5 Pokémon comme les pêcheurs, ils t'envoient 5 Magikarp. Hein. Ils sont là, tiens, vas-y. Tiens, vas-y, c'est ma merde, tu te démerdes. Je me lance mes Magikarp à la gueule. T'en fais ce que tu veux. Ils ne servent à rien. Donne-toi à fond. Mec qui passe sa vie à pêcher des Magikarp après. Ouais, hey, je te balance à la gueule, de toute façon. Je suis juste là pour pêcher, j'en ai rien à foutre des Pokémon. Et. Tranchère, voilà, on n'en parle plus. Oh, il y en a deux, j'avais pas vu. Un Oni, qu'est-ce que. Level 20, ça rigole plus. Folienne. Ouais, ça rigole plus du tout. Ah là là, so easy. Va falloir que. Je capture mon Starry parce que là ça devient trop trop simple. Tu m'as dit quoi? Je vais encore m'entraîner. Yarararou. Les montagnards, quoi. De la Savoie. Il est long ce tunnel, oh oui. Je crois que j'ai écouté trop peu de montagnards dans ma vie pour prendre un stéréotype de voix. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'une voix grave ça le fait, comme ils ont l'air quand même assez costauds les montagnards. Oula, il en a 4. Bon, allez, on va pas perdre de temps, Folion. Racaillou, ouais, il m'envoie toute sa racaille. Quoi. Et ma choc. De toute façon, faut que ce soit Florizarre qui est XP. Comme il est en retard de niveau. Des espèces de sources de des fissures où il y a de l'eau qui coule. What the fuck. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas quand c'était en noir et blanc. Je vous le jure. Alors, là, il y en a encore un, montagnard. Oh là là, mais c'est pas vrai, quoi. Oula, un Onix. Je dis non. Je dis à plus. Ah, j'ai failli... J'ai failli passer un level. Bon, 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 je suis perdu.
À la limite, montagnard, ça fait penser au nain. Je pourrais prendre, essayer de prendre la voix d'un nain. Je suis perdu. Je pourrais prendre la voix du nain dans le donjon de Nalbec, quoi. Mais bon, ça... Ça partirait très vite en couille, j'ai envie de dire. Au pire, je le fais s'il y a un prochain montagnard. Je fais la nain du... Du nain du donjon de Nalbec. Je fais sa voix. Enfin, je vais essayer parce que là, j'ai... J'ai à moitié le nez bouché. C'est assez gênant, mais bon. J'ai plus de contenu, faut que je tourne. Allez, hop. Oula. Le son qui bug. J'utilise trop de speed, c'est pour ça. Hein? Par où je sors maintenant? Aucune idée. Tiens, je te donne une corde sortie si tu veux. Moi, j'en ai pas besoin. What the hell? Mais c'est une blague ou quoi là? Alors, attends. Un profane comme toi me doit le respect. Putain, elle est où, mage? Bordel, cette salope d'elfe qui me l'a piqué, je suis sûr. J'ai pas réussi à faire la fin. Ça, le début, j'ai pas mal réussi, je trouve. Ça le fait pas du tout avec son skin. Tu vois un gros montagnard qui parle comme ça, le fait what the fuck. Allez, c'est parti. Oh, grave alors. Ah, il me donne du défi là, ça y est. Challenge, challenge. Allez, j'espère que je vais pas te le one shot quand même. Ah, oh, je suis déçu. Pour une fois que j'ai du challenge, il se fait one shot. Je suis trop fort. Perdu, putain. Tu as le niveau des meilleurs montagnards de Forge Fer. Oh my god, la voix d'un dwarf, c'est horrible. On va aller par là, par le dessus. Je pense qu'il doit avoir une Pokéball qui traîne, ce sera petit. Tu me fais chier. Ah, j'ai pas lancé le chronomètre, je sais pas où j'en suis. Oh, pire ça, je vais faire ça. À l'arrache, au feeling. Alors, bonjour madame. Tu sais comment éviter de te perdre? Il suffit de laisser des pépites. Des pépites. Oh là là, je me disais des pépites brindilles. Je fais qu'est-ce que c'est que ce délire? Des petites brindilles à toi. Ouais, c'est le petit poussé quoi. Tu laisses aussi des pépites derrière toi, je pense. Ça marche, mais tu risques de pas retrouver tes pépites quoi. Il y a moyen contre les chours. Allez. Un rond de doux. Non, s'il te plaît, je n'ai pas envie de dormir, hein, tu vois. Pas le moment. Alors elle m'envoie quoi? Un recul. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de recul. Elle a pas évolué depuis tout ce temps. Oh, tellement que je respecte pas le recul, je fais une attaque pas efficace et je le one shot. Bon, en même temps, je sais, il n'y a pas de challenge. Allez, on va envoyer Little Luck. Limite, je pourrais envoyer Gripsouth. Le manque de respect total. T'envoies le vieux Miaouss, il est juste là. Ouais, je suis là pour faire flash et j'ai trouvé des objets. Ah bah tiens, en parlant de Miaouss, je l'avais pas vu venir celui-là. Ah, je suis inutile, miaou miaou. Moi je fais coupe, flash et je trouve des trucs par terre, voilà. Je fais les poches des autres. Oh, j'ai fait de mon mieux. Ouais, j'imagine. Hein. Un conseil fait évoluer ton cool quoi, ça peut-être pas. Ouais, je fais des allers-retours, je sais pas par où aller en fait. Un Onyx encore. Je ne veux pas te voir, Onyx. Retourne dans ta caverne. Mais je suis dans ma caverne. Rien à foutre, tu te casses. Une Pokéball ici. Huile. Oulala, pépépépé, les FPS. Comment ça va? Oh, un ferro singe. Je sais pas qu'il y en avait dans cette grotte. Ça me fait plaisir, mais je fuis. J'ai pas envie de te tuer, ça se trouve, t'es le dernier ferro singe de cette grotte. Mais c'est pas vrai, pardon. Si je tape sur ma table, ça m'énerve. Oula, par contre, les FPS, là, ils me font chier. Si ça continue, c'est une ellipse, hein, direct. On va accélérer. Ça se trouve, c'est juste le ferro singe, c'est normalement, il a rien à foutre dans cette grotte, il est mal programmé. Alors, mes FPS, ils comprennent rien. Même si ça a rien à voir, au final. Je suis trop fort, j'ai retrouvé mage, putain. Ça le fait pas.
Regarde quand tu vois ce skin. Ah, j'ai trop fort, j'ai retrouvé ma hache. Ah, j'ai retrouvé mon bâton de bois avec mon gros sac à dos. Oh mon dieu, ça te fait pas du tout. c'est parti, un caillou en moins. Niveau 35, nickel. Encore un racaillou, des racaillous tout le temps. Ah non, je voulais épargner quand même le féroce singe, ça se trouve c'est le dernier de son espèce dans cette grotte. C'est pas ce qu'il branle là. Je me suis perdu. Moi, féroce singe. Oula, il a dit zéro là. Il rigole zéro le mec ou quoi? T'as dit quoi zéro? J'aime pas penser, alors je cogne. Ça c'est plutôt barbare que non quoi. Je n'aime pas penser, alors je cogne. À la limite, faudra prendre la voix du barbare, mais... Mais bon, je vais pas trop en faire, pas. Pour ceux qui connaissent pas le donjon de Nalbok, je vous invite à aller lire les BD, ou lire les romans, ou écouter les deux premières saisons. Enfin, même les autres, ils les ont fait en résumé. C'est vraiment sympa. Je crois que j'avais déjà été en dessous, il n'y avait rien. Enfin bref, on va pas faire... Tout ça pour des racailloux. On s'arrête tous les 2 mètres pour des racailloux, y'en a marre. Tu es un Pokédex, j'en avais un aussi. Ça fait bien la voix du Pokémaniaque, psychopathe et tout. Tu es un Pokédex, j'en avais un. D'ailleurs, je sais pas pourquoi un Pokémaniaque il a pas de Pokédex quoi. Normalement, ils sont censés savoir tout et tout quoi sur les Pokémon et puis le mec il a pas de Pokédex. Je sais pas, ou peut-être j'ai mal lu. Peut-être qu'il a dit j'en ai un aussi, j'ai mal lu. Mais bon, je sais pas. Alors, oh, il m'envoie son armée de Rameuse. Oh, il attaque en premier, what the fuck. Ah, oh, j'ai dû... Oh, bah oui. Ah oui, c'est sûr, c'est Nidobigleux, c'est... Voilà, c'est... C'est Herbigleux, c'est Florivoirien, c'est... Non, c'est Florilouche, donc... il rate 2 fois son attaque d'affilée. Allez, hop, hop. Comme d'hab, quoi. Oh, encore un Ramalos. Allez, on va envoyer... Non, je déconne. On va pas envoyer Gripsou, là. Le pauvre, il se ferait buter, quoi. Alors, coup de corne, tiens. Normalement, il devrait mourir. Oh, putain, ils sont résistants, ces connards. Hein. Hop, là. Et coup de corne. Cette fois, tu vas mourir, cette fois. Là. Voilà, moi, j'ai décidé ça comme ça, tu vois. Tu meurs. Au revoir, Arthur. Zut, je suis jaloux. À mon avis, il n'est pas de Pokédex, il est jaloux. Ouais, il en a pas. Tu me donneras ton Pokédex plus tard, quand tu l'auras terminé. Non, jamais. Il va mourir. Oh là, il a l'air d'avoir du combat de mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Hep. T'as noir, fais gaffe où tu mets les pieds. Ouais. Mais moi j'ai flash, tu sais, hein. Moi je suis pas dans le noir. D'ailleurs, si t'es dans le noir, comment tu fais pour me voir? Pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu m'agresses, bordel? Avec tes chétifleurs et compagnie. J'en ai marre de tes chétifleurs, de tes merci mystères, mais de tes airs bizarres là. Oh non. Fais chier. J'aime pas les attaques qui changent le statut, c'est vraiment pourri. Tiens. Voilà. T'es content? Ah, je préfère ça. Même si t'as une petite animation qui me fait chier après. Ça fait perdre du temps. Pic-pic, tiens. T'as qu'à le faire évoluer en Boosty Floor. Et puis après en Ampli Floor. Avec une pierre herbe. Oh là, ça paye pas du tout niveau XP d'affronter ces dames-là, quoi. C'est abusé. Erin, elle s'appelle. Coup de corne, Mélofeu, ouais. Ça donnait un peu plus d'XP, je pense. Voilà. J'ai rien compris. T'es à l'ouest, t'es zéro. T'es zéro, toi tu vas encore m'affronter, voilà. C'est ta sœur. T'as des Pokémon? Ok, baston. Ouais, ouais. Sinon, tu peux te calmer, tu sais, ça. Y'a moyen. Franchement, y'a moyen que tu te calmes. Je pense que tu peux pas être plus énervé que maintenant, tu vois. Je sais pas ce que je lui ai fait, cette dame. Enfin, bref. On va lui péter sa gueule, tu vois. Comme ça, baston, ce sera plus jamais pour elle. On va accélérer, de toute façon. Elle attaque furie. Bim, bim. Voilà, je crois que j'ai loupé la première.
Oh non, elle a 4 Pokémon. Allez, je me grouille. Coup de corne, au revoir. Coup de corne, au revoir. Coup de corne, au revoir. Ah là, tu fais moi la fière là. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Eh ben, me voilà en sûr. Ah, je savais bien que je te voyais bien que t'étais tout énervé. Faut que tu te calmes. Rien que tu fasses une crise cardiaque et t'es énervé comme ça là dans le noir. Attends, tu rencontres quelqu'un là, tu l'agresses, vas-y, baston. What the fuck quoi, j'allais te dire, calme-toi. Oh, une Pokéball quoi. Oh, ça va me faire des sous. Je viens de loin pour ces Pokémon. Alors elle vient pour les Pokémon. Normalement, dans son équipe, elle doit avoir un Onix ou un Rakaillou ou un Ferro-Singe. Ou alors elle est nulle, elle les a pas encore capturés. Ouais, à mon avis, c'est plutôt cette option là. Elle va avoir que des Pokémon mignons comme d'hab. Alors on leur fait trancher. Voilà, Rokul. Pff, oh là là. Faut évoluer là, les Rokul, c'est plus possible quoi. Normalement, t'as plus de Rokul à partir de Carnan-sur-Mer. C'est fini les Rokul. Alors, Mystère, tiens, Nidoluck. Direct. Faire l'attaque pic-pic, on y dira plus. Je suis sûr, elle fait évoluer en Ortide, elle fait une crise cardiaque la dame. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc tout moche? Oh, plus de Pokémon! Eh bah oui, tu vas devoir retourner au centre et puis revenir si tu veux attraper ton Osferapti ou ton Ferro-Singe. Il doit y avoir sûrement quelque chose sur le côté là à gauche. Je vais aller voir. Que dalle. Bon, et bah ça a l'air d'être la fin de la grotte, c'est cool! Tu m'énerves de surpris. Mais combien de fois on t'a vu? Je suis sûr on t'a vu au moins 15 fois. J'ai pas compté, ça m'intéresse pas. Bon, peut-être pas 15. Peut-être 10 fois. Bon, y'a encore du combat là. Je vais essayer de choper les deux en même temps. Ah bah non. Le montagnard il voulait pas. Cette randonnée m'a épuisé. Moi aussi, hein, vous m'avez beaucoup épuisé, je trouve. Alors, Carole, elle m'envoie encore du Roku. C'est pas vrai. Un Roku, s'il vous plaît. J'ai besoin d'XP. Sois gentil. Oh, il fait baisser sa précision. Mais il s'en fout, tu vois, lui. C'est pas un florivoirien. Un florilouche, tu vois. C'est Nidoluck. Nidoluck, il est rarement affecté par du sable dans la gueule, tu vois. Ah, là, tu me fais plaisir, là. Voilà. T'as bien fait de... La prochaine fois, tu m'envoies ton recarnage, hein. Comment je te troll. Trop fatigué, je laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Franchement, y'a moyen. Ah oui. Il est joyeux, ce mec-là. Il est joyeux, Luigi. Oh, Luigi. Hey. The brother of Mario. It's me, Luigi. Yahoo. Enfin bref, je n'ai plus de PP. Mais oui, mais pourquoi fais-je? Oula, le son qui en prend un coup dans la gueule. J'ai l'impression en fait, si je le fais un moment du combat, le boost, au moment où le son il fait des intonations aiguës, on va dire, le son il va complètement se mettre à bugger. C'est n'importe quoi. Enfin bref, Onix. Voilà, plus d'Onix. Level 36, nickel. Et on a... On a battu Luigi. Je ne ris pas, c'est les nerfs. En fait, tu ris. Non, Luigi. Tu connais mon frère Mario. Oh, waouh. Ouais, je le connais, il saute partout. Il ramasse des pièces et tout. Hé, hey, toi, tu veux voir mes Pokémon? Ça dépend ce que t'as... En dessous de ton costume, hein, parce que c'est un abo entre les deux jambes, je ne veux pas voir ton Pokémon. Non merci monsieur. Sans façon. Je pense que Luigi veut bien. Luigi il a l'air joyeux aussi. Ah là là, ça trash, ça trash. Enfin bref, Terra Mole aussi ils ont pris cher. Et je te dis à plus, hein, parce que tu me parais assez louche quand même. Y'a mes Pokémon. Ouais ouais, garde-les tes Pokémon. Tu vois, je te parle là, je me casse. Ah, oh, l'air frais de la montagne, c'est vivifié. Ah bah, enfin quelqu'un qui a l'air
content, joyeux d'être dans son état naturel. Ah, Guillaume, le montagnard Guillaume est dans son état naturel. Oula! J'ai plus beaucoup de paix. Ah bah oui, là je vais... Ça va être compliqué. C'est super efficace. Un grave allonge. Eh ben, pourquoi j'ai pas changé en fait? J'aurais dû changer à l'infini quoi. Allez faire un double pied, ça va être fini. Bon, il me lance de la boue quoi. Attends, il est un Pokémon évolué. Il y avait moyen qu'il me pète la gueule quoi pour une fois que j'ai du challenge, il fait lance-boue. Non, tu ne me feras pas d'attaque électrique. Mais t'es con ou quoi? Dans tous les cas, si je t'en fais une, ça te fera rien. What the fuck? Reste dans ta montagne, Guillaume, ok? Bon, voilà tout vérifié. T'as raison. Un grand malade. Et nous voilà à l'avant-ville avec la musique qui déprime. Attention, dépression. Avec la tour Pokémon, où il y a tous les Pokémon qui sont décédés. Alors, on va terminer cet épisode dans la tristesse. Je déconne. Baston! Comme diraient les gonzesses dans la grotte. Allez, baston! À la foutre! Enfin bref, je vais terminer l'épisode ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Dans le prochain épisode, on capturera un Starry, c'est promis. Allez, salut!